Hey, salut à tous les amis, c'est Xavier. Comment allez-vous mesdames et messieurs? Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit gameplay sur Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, le nouveau jeu Tomb Raider qui est sorti. Je ne vais pas vous mentir, ceci est une opération spéciale, une OP comme on appelle ça. Donc on m'a payé pour jouer au jeu, mais de toute façon j'allais y jouer hein, de base. Donc utile plus agréable, mêlons les deux. C'est parfait. Donc aujourd'hui c'est plutôt une petite, on va faire une espèce de petite vidéo un peu condensée d'un moment vers le début du jeu pour pas trop vous spoil, plus pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu et puis vous donner envie d'y jouer, hein, autant que faire se peut. Donc là, on est au début du jeu, je crois on est à 5-6%. J'ai repris la partie de Max parce qu'en fait là, on est sur Xbox. Moi, j'ai acheté le jeu sur PC, mais voilà, là, on est sur la version Xbox. Et du coup, bah, j'avais pas envie de refaire le début du jeu parce que moi, je l'ai fait aussi de mon côté et tout. Donc je me suis dit, voilà, Max a fait lui une vidéo aussi, vous pouvez aller la checker de son côté du tout début du jeu. Donc là, moi, je vais faire un petit peu la suite et on va un peu voir. Bon là on va un peu voir ce qui se passe. Donc moi ce qui me fait peur dans Tomb Raider c'est surtout les énigmes. Parce que des fois je me complique la vie de ouf tu vois. Donc voilà. Alors là pour vous resituer un peu l'histoire, on est avec notre camarade Jonah. Et on l'a perdu entre guillemets, on doit le retrouver. Et oh il est là, oh le boss Jonah. J'ai cru que t'étais mort. Alors tapez 1 si vous pensez que Lara Croft et Jonah vont être ensemble à la fin du jeu. Tu sais où est passé Miguel? Il n'a pas survécu. Il est mort. Faire pendant les cinématiques ou pas? Je vais commenter. Oh aïe aïe! Un serpent sous les veines! Ah, zut. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Oh, ils vont l'enlever. C'est toi. Ça va faire mal. T'es sûr de savoir ce que tu fais là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps quand j'étais en Égypte. Très très belle boule de geisha autour du cou de Jonah. Disparaît. Boss. Mais ils sont en train de parler, mais normal, alors que la meuf lui découpe le bras encore. Un peu gluant, mais appétissant. Bon, alors le but c'est de trouver le village de Kouakiaku. Donc, oh putain, elle a fait un bandage tellement rapidement, la boss. Si boss. On va avancer un petit peu dans l'histoire, au calme. Allez. Allez, Lara. Porte, hein, la petite Lara. Hop. Celle qui porte, évidemment. Ça va, il s'entraîne. J'ai été mis un petit peu mauvaise langue là-dessus. Attends, Kouakiaku, c'est où? Ah, oh, mais ça va, c'est pas loin. Hôtel, hein, non? Petit plongeon. T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. J'avoue que ça semble pas. Je sens que ça va s'écrouler. On se croirait dans un film, attention. Oh. On est presque. On est presque. J'ai déjà entendu ça. Oh. Non, je te tiens. Tiens, t'étais un peu en retard, Jonah, hein. J'ai failli mourir là. Okay. Tu m'as pas été d'une très grande aide, on va pas se mentir. J'espère que cette structure est là parce qu'on est sur la route du village. Moi aussi. YOLO! J'ai pas à vous mentir, j'y croyais peu. J'y croyais peu, mais je me suis dit ça se tente parce que des fois, les chemins les plus simples et les plus rapides sont les meilleurs. Attends, il a parlé de contrepoids et tout, j'étais pas à j'ai rien compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, attends, il y a un contrepoids ici qui doit faire un truc. Là, il y a un truc à pousser déjà. Poussons. On va voir ce que ça fait. C'est bien fait, hein. On est dans la jungle, j'ai un truc dans l'œil. Alors qu'on est dans une pièce ici. Allez, go! Alors, on pousse, ça fait quoi? Ça lève ça. Ah, ok, d'accord, il y a de l'eau. Okay, il va y avoir de l'eau ici, donc il faut suivre ici. Il y a une échelle, c'était pas trop complexe. Hop. Zibos. Us. Ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Alors, l'eau va là. Elle va là. Elle va là.
Et elle tombe. Ok, donc il faut pousser maintenant. On pousse, ça fait tomber l'eau dans l'espèce de seau là. Et on a gagné. Si c'est ça, je suis the boss. Je suis le boss du jeu. Pas du coup. Il fallait y aller plus vite, je pense. Ouf, c'est pas ça du tout et je suis en train de me fourvoyer. Hein. Mais ça me semble être la seule piste convenable qu'on a donc. Eh, con. Bon son. Ah non. C'est ça. C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Oh, je suis le boss. Ah, mais oui. Ça paraît simple comme ça, mais ça l'est pas. Ah, il faut sauter maintenant. Oh, j'ai cru. Merde. Et à ce moment, au moment où je parle, j'ai dit j'ai cru que. Et en fait, bah, je suis mort. Moi, je suis dans la jungle, je touche à rien, hein, parce que clairement. C'est une recette. Alors, vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle. Inédite. Elle aussi, inédite. Une recette que vous ne trouverez dans aucun livre de cuisine, ça je vous le promets. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. Oh non, pas des jaguars. Oh, je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir du jaguar. Le village est juste en face. On arrive près du village. Je suis à deux doigts de penser que c'est pas par là, mais... Bon, on va quand même tenter. Il y a des trucs de l'autre côté. Donne-moi un coup de main. Ouais. Yes, Jonah, yes. Allez, us. À 3, 2, 1. Ça a l'air d'être plus lourd que tout à l'heure. Oh putain. Oh là, elle se fait bouffer la gueule. Oh, elle est dans la boue. Oh là. Oh, attends, mais là, comment elle fait pour pas die là? Mais aide-la, qui fait quelque chose. Oh là là, elle se fait bouffer. Bam, plein de poires. Oh, elle s'est fait lacérer le dos, la peau. Oh merde, mais il va m'attaquer 100%. Oh, je l'entends. Oh, le saligo. Oh. Pff, eh ben, putain, résistant, hein. Moi aussi, je suis résistante. Wouah. Bah lui, Oh mais j'ai mal à serrer le dos, le chien. Non mais elle arrive au calme, elle discute comme ça. Et c'est vraiment the exploratrice, the aventurière. Ça va, oh, je suis un peu la bosse, en fait, je me suis fait éclater le dos, mais... Mais elle s'en bat les couilles, c'est une warrior, gros. Plus forte que Mundir, hein. Ah oui, mademoiselle sait tout faire, elle coud et tout, elle se fait une couverture en peau de yak, là. Enfin, en peau de jaguar, du coup. Pour être un aventurier, c'est comme le lait. Il faut pas être demi-écrémé, il faut être entier. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Bah, il serait temps. La nuit tombe, la blessure est encore là, et le mec il se réveille à ce moment-là. Eh, Lara, laisse-moi, ouais. Bah, maintenant que t'es presque morte en fait, laisse-moi jeter un petit coucou d'œil. Un petit somme. Il y a des lapins et tout, mais la bosse. Oh, chamboule tout. Esquive, esquive. Esquive au sol. Bah, j'en ai pas marre. Oh, une balle. Oh, on peut la prendre. Oi, oi, oi. Genre là, t'es en train de me dire que Lara, 11 ans, peut... Non. Oh là là. Ouais, championne olympique du poids. Elle est trop forte, mec. Et nous retrouvons Lara pour ses Jeux Olympiques du lancer de poids. Oh là là, ça part très très haut. Dans le mine. Oh. Attends, mais c'est une quête. Oh, j'ai découvert une quête secrète. Yes, I am the boss du game. Il y a une pelle ici. Une précision mortelle, la plupart du temps. Attends, mais si je l'envoie de l'autre côté, par contre, j'ai perdu. Yes, et il manque une dernière cible. J'espère qu'il va avoir un truc de ouf. Oh, se trouve, c'est ça. Oh, la physique est respectée. Chambulto. Oh, elle est là.
Yes! Ça fait quoi? Ça donne de l'XP en fait. Et je suis le boss. Et je la garde la boule, ce sera mon arme. Ah, il faut peut-être que je tape dedans avec la balle. Le mec, il s'invente des vites. Oh! Oh, c'était ça! Mais gros, mais je suis le génie! Je pense que personne dans le jeu n'a fait ce que je suis en train de faire. Je pense que personne n'a fait les quêtes annexes de Lara enfant alors que c'est zi truc de boss. Yes! Bon bah c'est bon, on peut faire la mission principale. Mais attends, mais c'est une gamine, elle a quel âge là? Elle est folle. Elle va die. Là il y a déjà au moins 3 mètres de hauteur. Elle continue de monter. Yes! Bah ne faites pas ça les enfants, hein, si vous êtes enfants du coup. Oh, cette gouttière elle me semble bien trop frêle. Mais meuf, t'es à 6 mètres de haut, qu'est-ce que tu veux? Tu vas die! Non, c'est pas possible parce qu'on l'a. En fait, on est spoil dans le jeu parce qu'on sait qu'elle est adulte à un moment donc elle va pas mourir, mais. Je me sentirais pas aussi à l'aise qu'elle, quoi. Ah, ça va peut-être être là. Oh là là. Oh, mais elle a pris un taquet sur la tête! Meuf, elle est en titane. Hein. J'aime bien, c'est que son père la laisse jouer au calme dehors alors qu'elle fait des trucs comme ça. Pas du tout où on va là, mais à la maison, elle est plus grande que Paris quoi. Oh là là, quelle belle vue. Notre intrépide aventurière est à deux doigts de la mort. Bah là, meuf, je sais pas trop, mais. Oh non. Oh, elle, bah, quelle grossièreté. Quelle vulgarité. Oh là là, oh les côtes. Oh là, deux côtes cassées. Oh bah, oh là là, elle s'est coupée. Ah! Oh bah oui, bah. Ouais bah, GG. Culottée, surtout. De doigts de mourir. La chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Oh, c'est une énigme, 100% encore. Ah, bon, 30 N, on a dit. Yes. Et là, 90, quoi. Ça va me saouler. Yes! I'm the boss! Oh, y'a un truc. Et. Les ailes de la chauve-souris se déploient. Et. Et. Je suppose qu'il faut mettre encore. Merde, y'a pas de bouclier là. Dégage-lui, là. Dégage-lui, il faut prendre ceux qu'avec le bouclier parce que les autres ne réfléchissent pas. Ouais, je vous explique un peu si vous avez pas compris, quoi. Parce que je suis un peu le maître des énigmes, en fait. Yes! Ok.
Ok, et il faut la mettre là. Ok. Voilà. Bien joué. I am the boss. I am the boss of the deduction. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Ah, les petites phases de gameplay en mode Young Lara. Oh, une pièce secrète. Let's go. Le cœur battant, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. Bah, j'ai-je. Oh, la petite maman. La voix est hantée par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. Oh, papa, maman, non. Le mec qui s'était jamais pendant les cinématiques, c'est moi. Salut, c'est moi. Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on se rejoint direct en Égypte. Et papa, où ? Au travail. Oh là là. Oh, on n'aime pas trop ça que le daron il soit tout le temps au travail. Oula, attends, mais ça c'est dans le passé, enfin dans le présent du passé, quoi. Papa ? Oh non ! Oh, je le sentais ! Oh, le papa ! Oh, le papa est mort ! Par contre, on entendait la voix du père, mais pas de ses agresseurs, quoi. Ils n'ont pas parlé. Oh non ! Oh, la petite Lara ! Allez, papa. Ça va être dur de se réveiller après une balle. Oh là là. Oh, ils en font croire au suicide en plus. Oh, attends, me dis pas qu'il s'est vraiment suicidé. Est-ce que ça se trouve, il a été au téléphone et il s'est suicidé? Non, mais il aurait pas fait ça, il aurait pas laissé sa fille. Et voilà. C'est bon, c'est là-bas. Allez, let's go. On arrive au village. Youpi. Et les premières maisons. Voilà, je sais même plus comment il s'appelle. Yes. Il y a une route. Allons voir ça. Et elle adore la boue, hein, la petite Lara. Yippee hey, yippee ho. Ah. On n'est pas encore au village, il y a des mecs, il y a des vilains. Oh là là, camouflage style, c'est parti. Hop. On peut pas faire de son. Oh, mais Jonah c'est un boss en fait. Lui là. Hop. Goodbye. Oh là là, quelle belle équipe on fait avec John. Allez hop. On est fous, hein, des aventuriers. Et là, ils se demandent pas où sont leurs potes. Mais c'est stylé, j'ai cru que c'était une cinématique, en fait, on était dans le jeu. Hop, headshot, headshot. Oh là, eux, ils ont des flingues. Oh. Vous allez me voir là, non? Boum. Où là? Oh, il va choper mon pote. Non. Reviens! Il va me bouffer mon pote. Oh oh!
Allez, Lara. Oui. Ouais. Bien joué, Lara. Force de Lara. Oh merde. Ah yes. Mon meilleur pote. Ouf. Il a pris une sacrée tatane dans la gueule. Hop, flingue. Et là, on se retrouve avec Mass Arm, là, maintenant. Il va falloir aller nous chercher, ok? Qui veut me test, ici, dans le coin? Yes! Vas-y, boss. Allez! À nous, la liberté! Libertad! Oh, c'est bon! On est à Kouakiaku! Yes! Ah, mais c'est un vrai village et tout! On est les boss. Ouh! Ouh, allez, ouais, tapez dans l'œil! Et tapez deux dans les commentaires si vous pensez que finalement Jonah il va finir avec elle. Un ou deux? Et je pense en vrai qu'il va plutôt finir avec elle en fait, Jonah. Jonah le boss. Jonah le mou. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Elle a besoin de faire une pause évidemment quand hein, le beau Jonah arrive en ville. Oh là là! Elle lui propose directement d'aller chez ses elfes. Ouh là là, ça se drague ouvertement. Lara, tu es trop là, je crois. Tu viens de te faire piquer ton mec. Oh, mademoiselle! Elle va le laisser flirter. Ouais, tu viens de mettre KO deux mecs dans les bois, on croise un jaguar et tout. Oh là là! Oh, il parle, attendez. On va écouter. Oh là là, mademoiselle! Oh, ouais, ils sont impressionnants. Oh, ça c'est clairement une invitation, elle est en mode... J'ai des tatouages dans des endroits un petit peu plus secrets. Bon, sur ce les amis, on est arrivé au village. On va s'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. Le but c'était de faire un petit extrait gameplay, pas faire une vidéo trop longue, c'était pas une vidéo let's play. Oh, attendez, parce que la meuf me parle. Eh oh, je suis en train de faire mon outro, tu la boucles là. Ah d'accord, il faut que je peux aller au marchand. Écoute, énorme. Bon, sur ce, je disais donc on va stopper là le petit condensé de la vidéo. Honnêtement, le jeu est sympa. Je vous encourage à aller tester de toute façon de vous-même. Si c'est le genre de jeu qui vous plaît, je pense que c'est clairement un bon jeu dans son style. Voilà. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était sympathique. J'ai envie de continuer, évidemment, pour voir un petit peu la suite de la love story de Jonah. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain buzz. Goodbye. Yes.